Voici François Van Marsenil. François est facteur et utilise son vélo pour travailler. Je fais pas mal de vélo, je fais du vélo de route, du VTT, ce qui représente environ une dizaine d'heures par semaine. Une tournée fait environ une dizaine de kilomètres et c'est assez physique, surtout en fin de journée, on commence à sentir les jambes tirer. Et voici Philippe Gilbert. Philippe lui aussi utilise son vélo pour travailler. Et d'ailleurs, il est champion du monde de sa profession. Et Gilbert va attaquer. C'est parti, boum! 5, 10, 15 mètres. File. Qu'est-ce que tu nous fais là? Qu'il l'a fait. C'est fabuleux. Philippe Gilbert est champion du monde. Bravo Philippe. Fabuleux. À votre avis, qui l'emporterait si nous opposions François, le cycliste amateur, à Philippe Gilbert, le champion du monde? La réponse vous paraît évidente? Peut-être moins si nous échangions leur vélo. Et aussi leur tenue. Je pense qu'il y a certains facteurs qui ont une bonne hygiène de vie. Et donc automatiquement, avec quelques heures de sport par jour, ils ont un bon niveau. Donc ça peut être une surprise. Franchement, est-ce que je vais lui mettre la pâtée? C'est Philippe Gilbert quand même. Eh ouais, c'est Philippe Gilbert quand même. Direction Monaco, la magnifique principauté, perle de beauté sur la Méditerranée, lieu des paris les plus fous et d'un grand prix mythique. C'est dans ce cadre exceptionnel, terrain d'entraînement quotidien de Philippe Gilbert, que va se dérouler notre duel. Dans les montagnes, nous avons sélectionné 2 km de côte. À la fin de cette route en lacets, la ligne d'arrivée marquera la victoire de l'un de nos deux cyclistes. Il est temps maintenant pour nos gladiateurs de faire connaissance. Bonjour, monsieur Gilbert. Bonjour, enchanté. Bon, on est prêt pour le pari alors, la nouvelle course. Je sais pas ce que ça va donner, mais je sais pas, à ton avis, qui va gagner. On verra, moi j'ai jamais roulé avec ce vélo-là, donc il paraît qu'il est très lourd, donc... 30 kilos, c'est ça? Ouais, comparé au mec qui fait 7 kilos, c'est une belle différence. Ouais. Philippe va avoir l'agréable surprise de découvrir que ce vélo ne fonctionne pas tellement aussi bien que son vélo officiel. Ça va être un choc pour lui. Bon, ben on va échanger les maillots, les tenues. Ok, super, merci. Pour la course. Moi, je vais t'offrir magnifique équipement. De postier. Postier. Et le vélo, alors. Bon. Oh, merci. Je te le confie, hein, attention. Et moi, je prends la machine. On va se préparer. Moi, j'ai l'habitude d'un matériel léger et compétitif et je vais voir si je peux m'adapter rapidement sur l'autre matériel. Le matériel joue un rôle important dans le duel parce que chaque gramme compte, surtout dans une côte. La casquette. Alors, t'es content de ta nouvelle profession? Ouais, la tenue, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, hein. Bah, je dois dire que... Je suis bien content de ce maillot aussi, de cet équipement, du vélo. Le vélo léger, ouais. Ouais, je le sens bien. Bien. Je suis très en confiance, là. Faut que tu m'expliques pour la vitesse comment ça va. Il y a une manette. C'est quoi, il y a 7. Je vois, il y en a 7, mais... 7e, elle est plus grande. Ah, voilà. C'est sûr qu'il y a une différence énorme au niveau de tout, quoi. Là. Je vois que tu as déjà des difficultés. Ouais, en montée, c'est moins simple. Et encore, là, t'as de la chance, il n'y a pas de courrier. Ouais. Ah bon, une lettre, c'est pas très lourd. Hein. Oh, on en a des milliers. Ouais. En tout cas, moi, je trouve que ton vélo, il va vraiment bien. C'est quand même le vélo du champion du monde. Je pensais pas que ça allait être son vélo. Exactement le même, mais en fait, si, c'est vraiment son vélo. Ça fait du combien au maximum avec ce vélo? Oh, ben, c'est le vélo d'entraînement, donc pas très vite. 80, peut-être. Ah ouais, ça va. Si je perds contre le champion du monde, je pense pas qu'il y aura de problème. Si je gagne, bah, c'est le matériel. Nos compétiteurs prennent position sur la ligne de départ. Qui va remporter cet incroyable duel? Je pense qu'il y a beaucoup de chances que je remporte la course. Mais... Qui sera le premier à traverser la ligne d'arrivée en haut de cette côte? A. Philippe Gilbert, 30 ans, 1m79, 69 kg et son vélo de 30 kg. Ou B. François Van Marsenil, 30 ans, 1m81, 68 kg et son vélo de 7 kg. Je donnerai 70% à Philippe et 30% à moi. Et vous, à votre avis, qui va remporter ce duel?
Les 23 kilos supplémentaires rendent la machine de Philippe difficile à lancer. François, quant à lui, ne loupe pas son envol. Il laisse le Verviétois sur place. Oh là là, la misère. Ce genre de côte devrait convenir parfaitement à Philippe. C'est un puncher. Il l'a encore démontré lors des derniers championnats du monde remportés l'an dernier. Pour l'instant, il est à la peine. Et au premier virage, c'est notre facteur qui dispose d'une longueur d'avance. Pourra-t-il la conserver ? Il n'est pas champion du monde qui veut. Le physique de Philippe va-t-il faire la différence ? François commence à peiner. Il se met en danseuse. Gilbert saisit l'occasion et contre-attaque. Autre élément important, le matériel. Dans ce genre d'effort, chaque détail compte. François dispose d'un vélo de pro, cadre en carbone, pédale à clips lui permettant de développer plus de force dans chaque mouvement. En côte plus qu'ailleurs, c'est déterminant. Mais c'est long. C'est pas le Tour de France, mais le petit François se défend comme un lion. C'est la mort. Mais la messe n'est pas dite. Philippe donne tout ce qu'il peut. Va-t-il le rattraper dans la dernière longueur ? Ils sont maintenant roue dans roue. François regarde derrière lui. On sent qu'il s'inquiète du retour de Philippe. Quel duel incroyable ! Qui aurait pu dire que le champion du monde pourrait être mis en difficulté sur son propre terrain ? Vous, peut-être ? Alors, Philippe Gilbert ou François Van Marsenille ? Ah là là, l'arrivée est en vue et François va attaquer ! C'est parti ! Boum ! 5, 10, 15 mètres ! François, qu'est-ce que tu nous fais là ? Il le fait ! Il l'a fait ! C'est fabuleux ! François est champion de Monaco ! Le sommet. Oh. Bon, félicitations quand même. C'était super. Merci. Oh. Le champion du monde a été surpris, c'est incroyable quoi. J'allais doucement mais j'étais à bloc. C'est vrai ? C'est impressionnant de voir à quel point le matériel peut jouer un rôle. Ouais. Il y a 23 kilos de différence. C'est énorme. Ouais. C'est pas le même métier. En effet, ce n'est pas le même métier. Quand on est facteur, on monte pas tous les jours sur un podium. Et aujourd'hui, c'est au tour de François. À lui de découvrir les petits plaisirs des champions. François s'est bien débrouillé. Je crois qu'il a été... il a eu facile et il a bien profité ce moment. Merci à vous deux pour votre gentillesse. Mais nous devons officiellement déclarer le vainqueur. La réponse à ce duel était B. François Van Marsenille.